la neige manque, c'est toute l'économie de la station qui en pâtit. D'où la nécessité de pouvoir produire de la neige de culture. Mais nous, on tient à fabriquer cette neige de manière rationnelle et raisonnée. Par exemple, les retenues dans lesquelles on prélève l'eau sont en amont de la plupart des pistes. L'eau rejoint donc les enneigeurs par gravité, plus besoin de pompage électrique. On prélève uniquement le surplus des sources et le strict nécessaire, sans mettre en danger les besoins en eau potable de la station, ni la biodiversité des cours d'eau. Et puis, on ne met en route les canons qu'à moins 4 degrés, car c'est à cette température que leur rendement est le meilleur. Du coup, on obtient une neige de top qualité, et donc on en fabrique moins. En définitive, on utilise l'électricité que pour pulser l'air comprimé, qui va transformer l'eau en neige, et c'est tout. On économise de l'énergie, et on ne met pas en danger notre environnement. C'est ça le bon sens montagnard.